연락 좀 기다려. 연락 좀 와. Et même des gazous aussi, hein. C'est pas que des gazous là. Des gazous ? Oui, hein. Il y a des gazous. Gazous, ok. Et si toi c'est un gazou. Moi je suis un gazou. À côté de toi, c'est... Le col situé au pied de la Gelsine Sud est appelé le Tizina Gelsine. Il se trouve à environ 3560 mètres d'altitude et offre une vue impressionnante sur les sommets environnants, notamment sur le massif du Toulkal. Ce col est un passage clé pour les randonneurs qui se dirigent vers le sommet du Toulkal depuis le refuge. S'il vous plaît, pour le dernier jour, il a franchi là-bas. Ouais, il y a un beau trophée, hein. Oui, la montagne. On va le prendre, le dernier jour, on est très bon. Et après, on va aller jusqu'à la. C'est là le refuge de Mouflon, le premier, hein. Il y a les tentes. Le CAF, c'est celui qui est derrière. Parce qu'il y a deux refuges. Hein, hein? C'est lequel? Le premier refuge là. Le premier là. Qui est un peu plus grand. Hein? Sauf que comme c'est un objectif le cas, ça fait des meilleurs dimanches. Ouais, puis ça fait des films. C'est des... Là où il y a la lumière. Ici il y a un peu sombre. T'as une frontale avec ça. Ça va marcher. Tu veux que je te la promesse? Oui, merci. Voilà, on est dans le refuge. Hein? Tu t'approches. Merci. On est dans le refuge de Mouflon. Comme je vous dis, le refuge de Mouflon, le refuge de Kaf. Et après, on va suivre. Hein? On va remonter, on tourne derrière entre les deux. Il y a un sentier là.
passe, hein. Je pense, et après, il traverse la rivière là-bas, et après, on remonte. Okay. On remonte, on monte, on monte. C'est là qu'il y a les blocs de roches. Hein. D'accord. Hein, qu'on fait attention à les sur ici. Et après, on remonte, toujours. Hein. Ça monte ici, il y a aussi les escaliers de pierre. Hein. C'est les escaliers de pierre, et après, ça monte jusqu'à ce qu'un col, qu'on appelle le col de Toucal. Et après, on tourne comme ça pour rejoindre. Hein, pour rejoindre une crête. Là où c'est vertigineux ? Si, le sentier. À côté ? Je te cherche. Hein, pour côté, t'explique. Le sentier, il est à côté. Hein, il n'est pas le sentier sur la crête. Hein, le sentier, c'est en vue en général. Voilà, en général. Et après, on fait un tour pour rejoindre. C'est là qu'on voit le sommet du Toucal. D'ici, on ne le voit pas. Mais lorsqu'on arrive à la crête là, au début de la crête là, on peut voir le sommet du Toucal. Le sommet du Toucal, et après on ne le voit pas. Et après on va le voir lorsqu'on retourne comme ça pour le rejoindre. Le sommet du Toucal. Voilà. Et après on va faire le même chemin. Mais il y a un autre. Il y a un autre chemin, mais c'est dangereux. Après le, après le tremblement de terre, la terre il a bougé. Alors il y a des pierres qui sont bougées. Et le, il y a une demi-heure de pente comme ça. Ouais, et s'il a le vide? Ah non. Et ah, s'il a le vide? Non, je vais t'expliquer après, vous dites non. Hein. Voilà, il y a aussi, il y a comme ça, il y a des pierres que parfois on fait. Merci bien. Oui. Sucre, non, sucre. Sucre, toujours. Moi, si ça m'empêche de dormir, je bois pas de café, donc c'est la seule caféine que je bois. C'est ça. Ouais, et... Tu veux quoi ? Rien du tout. Tu veux. Ouais. Ouais, elle va être cadrée dans. Arrive à te mettre les mains à plat devant, ça prend les jambes. Les mains à plat sans plier les jambes. Il va jouer au docteur. Il faut pas sourire. Sourire. Il faut laisser un petit moment. Oui, bien sûr. On en a pour la nuit, tout ça, ça va même pas. Ça va. Prise du taux d'oxygène dans le sang. Alors qui s'appelle la saturation en oxygène ou oxymétrie. Elle est généralement mesurée à l'aide d'un appareil appelé oxymètre de peau. Saïd enregistre aussi la fréquence cardiaque. C'est combien ? 88-85.